Du 1er mai, un jour férié très important pour les travailleurs. Et c'est là le paradoxe du 1er mai, c'est qu'il trouve son origine outre-Atlantique, à Chicago, en 1886, alors que les syndicats revendiquent la journée des 8 heures. Ah, je comprends mieux pourquoi Trump a été élu grâce aux Russes alors. Nous entendrons ensuite une danse hongroise, la numéro 5 de Johannes Brahms. Il en a d'ailleurs composé 21. Ces danses hongroises sont appelées Xardas, vieux terme hongrois qui signifie Xardas, la mer. Elles se basaient sur des airs populaires hongrois joués par des tziganes. Thank you.
concert avec une valse, la valse numéro 2 de Dimitri Chostakovitch. Celle-ci a été rendue très célèbre dans les années 90 par une publicité pour une compagnie d'assurance française, la CNP. Vous vous souvenez ? Nous remercions d'ailleurs vivement cette société pour le mécénat et la confiance qu'elle accorde à la Philharmonie Royale Concordia depuis 1993. Ah non, il raconte des fadaises. Il n'empêche, c'est outre les sponsors que vous avez vus à l'écran, que vous représentez une compagnie soit dans les assurances, soit dans une autre activité, et que vous souhaitez œuvrer dans le mécénat, nul doute que la PRC vous ouvrira grand les bras. Mesdames et messieurs, Chostakovitch. Mesdames, Messieurs, une fois n'est pas coutume,
nous avons l'immense avantage, que dis-je, l'immense honneur d'accueillir un soliste exceptionnel ce soir, rien que pour nous, ici à Ottigny. Il s'agit, mesdames, messieurs, d'un instrument d'un genre particulier, dont les qualités mélodiques rivalisent avec les qualités esthétiques. Mesdames, messieurs, thank you.
Offenbach. Ah, Jacques Offenbach. C'est un violoncelliste, compositeur, chef d'orchestre français d'origine allemande. Et il reçoit la nationalité française par ordre personnel de Napoléon III. Associé à l'Ancien Régime, on le surnomme l'oiseau moqueur du Second Empire. Je me suis efforcé d'inaugurer un genre amusant qui respecte les lois de l'art et du bon goût. Je crois y avoir réussi. Écrit-il très modestement en 1855. Il n'empêche que mon œuvre a été gratifiée de termes tels que inouï, splendide, ébouriffant, gracieux, spirituel, amusant, réussi, parfait, mélodieux. Oh, place à la musique. Musique pour apprécier le galop infernal, autrement dit, le French cancan. Thank you.
est un genre musical et une danse impétueuse d'origine cubaine. Et c'est en 1961 que Leonard Bernstein introduit le mambo dans la comédie musicale remarquable, imaginée sur base du thème de Roméo et Juliette de Shakespeare, à savoir West Side Story. On ne présente plus. Si, justement, on présente. Seigneur de la danse est une sélection de morceaux du spectacle irlandais homonyme célèbre Lord of the Dance, qui combat l'horrible démon d'Ondorcha voulant envahir la planète Irlande. Un petit esprit lui permet de stopper l'invasion. Une histoire d'amour se glisse dans l'aventure. Sawa, une jeune Irlandaise, se bat pour gagner l'amour du seigneur de la danse contre la tentatrice Moria. C'est l'amour qui lutte contre le désir. Love versus lust. Et gagne. La comédie musicale Lord of the Dance, tournant dans une vingtaine de pays, a attiré plus de 7 millions de spectateurs du monde entier. À l'échelle internationale, son succès est comparable à celui de Notre-Dame de Paris et de Starmania. Mesdames et messieurs, Starmania!
des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, les musiciens juifs itinérants, les klezmorim, appelés parfois simplement klezmer, sillonnent l'Europe de l'Est et animent des mariages et d'autres festivités religieuses. Les klezmorim ont pu établir des passerelles entre les mondes juifs et non-juifs, jouant parfois dans des orchestres populaires, locaux ou tziganes. Mesdames, messieurs, Klezmer Carnival de Philippe Spaak. Thank you.
Bonsoir. Merci d'être là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous espérons que vous passez une très bonne soirée en notre compagnie. C'est grâce à l'implication tant de notre directeur musical, des musiciens, de non-musiciens, que nous pouvons réaliser et vous présenter chaque année ce concert. Nous devons aussi remercier toutes celles et ceux qui, de l'extérieur, soutiennent la vie de la Philharmonie Royale Concordia. Un remerciement tout particulier aux autorités de la ville d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, à la province du Brabant-Wallon, à la Fédération musicale du Brabant-Wallon, au Centre culturel, à l'Académie, aux annonceurs et à vous, notre fidèle public. Comme il est de tradition maintenant, nous souhaitons offrir 10 places pour notre concert 2020. Je me suis laissé dire qu'on allait parler cinéma. C'est tout. Par tirage au sort, nous allons désigner 10 gagnants. Alors je vous demande de compléter votre bulletin de participation que vous avez dû recevoir à l'entrée et vous pouvez le déposer dans l'urne qui se trouvera près des portes d'entrée du centre culturel. Pendant la pause, vous pourrez vous rafraîchir, bonne nouvelle, au bar et apprécier la prestation du groupe folklorique Les Vichapia du Stimon. Nous vous retrouverons d'ici une trentaine de minutes pour la seconde partie du concert. Bonne pause. Ça a pris un petit peu de temps pour le tirage de la tombola, mais voilà, nous avons les résultats. Ah. Alors, on gagnait le droit de revenir. Pourquoi sourire ? Marie-Christine Renard. Et je rappelle qu'il est défendu de revendre sa place. José Kievi. Bernard Crétens, tiens. Je me pose quand même des questions, parce que l'année passée, il était déjà là aussi. Il y a quelqu'un qui le connaît ? C'est bon. Monsieur Romain Schneider.
Oh oui, ça arrive à tout le monde. Hein. Alors, il y a Nadine Chanoine. Oula! Calmons-nous. Alors, il y a... Oula! Excusez-moi, j'ai probablement écorché. Il y a Murier Noro. Voilà. Marceline de Guéldereux. Voilà. Catherine Guélen. Et Lucie de Hoffman. Voilà, félicitations, vous aurez votre prix l'année prochaine.
fait-il? Tu devrais plutôt dire casse-noisette. Ça, c'est une belle transition pour parler de ce que nous venons d'entendre. Ah oui, casse-noisette. Ah ben oui. C'est l'histoire d'une petite fille, Clara, qui reçoit comme cadeau de Noël un casse-noisette en bois en forme de soldat vêtu d'un costume de parade. Jaloux, son frère Fritz l'utilise pour casser de grosses noix très dures et lui déboîte la mâchoire. À minuit, Clara va réconforter son jouet, souffrant, et tombe sur des souris agressives. La féerie commence. Clara rétrécit jusqu'à la taille d'une souris. Et les jouets prennent vie. Casse-noisette rassemble une armée pour défendre Clara des souris. Il s'ensuit une bataille où le roi des souris est tué. Sauvé par Clara, Casse-Noisette se transforme alors en prince et entame avec elle un merveilleux voyage à travers la forêt enneigée jusqu'au royaume des délices. Là, la fée dragée, merveilleuse danseuse, fait tourbillonner tout son monde. Elle les régale de danses russes, arabes, chinoises, des mirlitons, une valse des fleurs. Au petit matin, Clara se réveille sous le sapin, son casse-noisette réparé dans ses bras. Et maintenant, nous allons faire le tour de l'horloge cette nuit. Nous allons tanguer jusqu'au plein jour. Nous allons faire le tour de l'horloge cette nuit. Et c'est bien ce que nous vous proposons pour cette nuit. D'accord? Dansez jusqu'au petit jour. Alors, au passage, après le concert, n'oubliez pas d'avancer votre horloge pour gagner une heure en moins. Ou perdre une heure en plus, c'est selon. Ladies and gentlemen, rock around the clock!
Ah oui, voilà, c'est toujours à ce moment du concert qu'il commence à faire sa danse de cou. La pavane, en l'occurrence. Eh bien, maintenant, je te mets au défi de danser le blues. On fait moins le malin. Parce que les seuls qui soient capables de combiner la pavane et le blues, ce sont les musiciens de la Philharmonie Royale de Tigny. Mesdames et messieurs, pavane in blues. Elle retrouve le grand ballon. L'histoire se déroule en 1959,
dans une high school américaine que Sandy, une nouvelle élève, vient d'intégrer. Elle y retrouve par hasard son amour d'été, Danny Zuko, chef d'un gang de garçons qui se préoccupe plus de sa popularité que des sentiments de Sandy. L'œuvre montre les soucis et tourments de l'adolescence. Qui êtes-vous vraiment? Comment l'assumer? Comment gérer ces hormones en folie? Le regard et la pression des autres? La différence fille-garçon? L'amitié? L'amour? Les guindailles? Le film à succès de 1978, associant John Travolta et Olivia Newton-John, a rendu Grease immortel.
Max. Le chevalier des sables de Saint-Piper met en scène Liz Taylor et Richard Burton. Laura, une mère célibataire et libertaire, est contrainte de confier l'éducation de son fils Danny au collège paroissial de San Simeon, dirigé par le pasteur Édouard Éluc et son épouse Claire. L'homme de Dieu est vite ébloui par la belle jeune femme aux mœurs très libres. L'attirance est mutuelle. Jazz, on dit de lui qu'il est un medley à lui tout seul.
En 1942, Glenn Miller se fait accepter dans l'armée avec cet argument. Il va mettre un peu plus d'entrain dans les pieds des fantassins, davantage de joie dans leur cœur et moderniser les musiques militaires. Ce soir, vous allez swinguer sur des extraits de chansons comme Little Brown Jug, In the Mood, Tuxedo de Junction, American Patrol et Moonlight Serenade. Car nous vous avions promis de faire le tour de l'horloge. Moins une heure. Thank you.
Pour terminer ce concert en beauté, qui, nous l'espérons, vous invitera à danser jusqu'au bout de la nuit, moins une heure, l'orchestre de la Philharmonie Royale Concordia interprétera une salsa endiablée de Barry Manilow. Copacabana!
Voilà. Si ça, c'est pas beau, ça, c'est vraiment l'élan du cœur. Bravo. Voilà. Eh bien, nous voici arrivés au terme de ce concert. Mais il y a les musiciens, il y a le chef, il y a le comité, il y a votre président, enfin, ce que vous voulez. Mais ce soir, il y avait particulièrement certaines personnes qui ont fait un extra et qui nous ont vraiment apporté un plus. Je vous demande d'applaudir à la régie, au son et lumière, Driss. C'était loin d'être facile pour lui aujourd'hui, mais il était présent. C'est le monsieur qui a poussé sur les boutons pour que le chef puisse battre la mesure avec les images. Je vous demande d'applaudir Dominique. Alors que ferait-on sans eux? Je me le demande à chaque fois. Ils sont toujours fidèles au poste, on donne un petit coup de téléphone et ils nous disent « Ben voilà, donnez-nous les textes, on va vous faire les présentations. » Nos présentateurs, Maximilien Héry et Benoît Misson. Alors, il y a quelqu'un aussi très particulier qui est parmi nous, mais il a une baguette magique. Sa gentillesse est extraordinaire et il a une patience d'ange avec nous, vraiment, je vous assure. Nous ne serions sans doute pas ce que nous sommes aujourd'hui grâce à lui. Je veux parler de notre directeur musical, Monsieur Paul Dussard. Alors, il y a une petite surprise, il y a certains musiciens qui vont avoir une drôle de surprise ce soir, mais personne n'est au courant. J'ai quand même vous dire que, enfin, je suppose que vous l'aurez remarqué, qu'à la lecture du programme, je suppose que vous l'avez tous lu, hein, certains, vous avez constaté que notre orchestre est loin d'être de première jeunesse. En effet, il fêtera bientôt ses 160 ans d'existence. Oh là là, quelle vieille dame. Ou monsieur, pardon. On peut donc affirmer sans se tromper que la Philharmonie Royale Concordia fait partie, à l'instar d'autres associations, du patrimoine culturel de cette ville. Mais pour notre orchestre, le patrimoine, c'est les musiciens. Et certains musiciens, ils œuvrent depuis très très longtemps à l'intérieur de cette formation. Pour cela, ils vont mériter tous vos applaudissements. Et à l'appel de leur nom, je vais leur demander de se lever. Ça ne va pas faire plaisir à certains, mais ce n'est pas grave. Okay. Tu le sais, d'avance. Parce que certains ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boutiques. Par exemple, vous avez quelqu'un qui en a 30 derrière elle. Elle joue du sax baryton. Marianne Adam. C'est une grande sportive, elle joue de la flûte, chez nous depuis 32 ans, Valérie Lejeune. Alors il y a un tiercé, 38 ans, vous vous rendez compte? Monique Cosy, Jean-Claude de Courty et Olivier Marchal.
Et alors, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, la doyenne, notre Jeanne Calment à nous. Oui, je l'ai fait. 41 ans. Ça fait 41 ans qu'elle est là, et vous allez être très surpris, parce que je vous présente Geneviève Gressens. Pour ceux qui savent compter, elle a commencé à l'âge de 7 ans. Et elle n'a jamais défailli. Voilà. Bien, ça va être le moment de se quitter. Vous pouvez vous lever, vous en allez, peut-être, non? Mais je pense quand même que vous souhaiteriez peut-être un petit quelque chose en plus, parce que, à mon avis, vous restez sur votre faim. Non? Oui. Ouais. J'entends rien. Vous avez entendu quelque chose, moi? Est-ce que vous en voulez encore un? Oui! Donc, chef, si on faisait danser la musique, voilà. Thank you.